Mais ça peut pas être mon gosse, je t'ai dit, j'ai fait une ablation des couilles. Salut, c'est Stéphane Burn, le sosie approximatif de Stéphane Bern. Bienvenue ici, dans la belle ville de Tarragone. C'est faux, on n'est pas du tout à Tarragone. En réalité, je ne sais pas où on est. Je m'en bats un peu les couilles finalement. Est-ce que j'ai pas pris la grosse tête? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Non, pas du tout. On va faire la visite de la village, je suis déjà avec mes premiers gars qui sont présents. Est-ce que les gars, on est toujours bien ici? Ça se passe bien pour vous? Oui, ils sont confortables. Ils prennent la forme, tu sais. Ouais. Je comprends. C'est vrai que ce n'est pas très très intéressant. On enchaîne avec la villa. On est dans le salon. On est en présence ici de deux légendes. Vous les reconnaissez, je ne les présente plus. Le roi Enoch, Al Capote. Les gars, comment ça se passe? Comme un bisou. C'est avec plaisir que je te fais cette bise. Qu'est-ce qu'on fume là ici, les gars? Un mélange de hybride exo. Ok. Évidemment, ça fait plaisir. Continuez de fumer ça. Et ça continue de fumer par ici, mon juge préféré. Comment tu vas? Et toi, tu fumes quoi là? Moi, je fume rien, frère. Je respire de l'air depuis tout à l'heure. Je comprends pas ce que je fais ici. C'est là que je joue à la play et je parle. Ok, non, mais attends, on n'est pas là pour être une mauvaise ambiance en fait. Là, c'est juste un tournage. On fait une vidéo pour se marrer ensemble en fait. Ouais, mais marrez-vous tranquille, hein. Tout le monde est là-bas. T'as vu, Alka. Alors, toi, on te paye des billets d'avion, machin et tout. Tu casses les couilles en fait. Justement, frérot, je demande un billet retour. Kaba de... Les gars, qu'est-ce qui se passe par ici? Les cuisiniers. Salut Bernard. Comment tu vas bien? Ça va? Non, moi, c'est Stéphane. Stéphane Burn. C'est succulent, c'est succulent. On en a pour ses papilles dans cette émission, c'est pour ça que j'aime ça. On continue les gars, j'apprécie énormément le travail de ces gars, ils sont doués. Ma diction est un peu claquée, je l'avoue, je suis un peu défoncé. Yes, NMK, mon gars, regarde ça, screenshot. On n'a pas une couverture d'album. En commentaire, donnez-nous un nom de band, voilà, que pourrait symboliser ce groupe. En vrai, regardez ça, une piscine, une villa, zéro meuf. Est-ce que c'est pas ça finalement la réussite? C'est la question qu'on se pose et qu'on se posera dans la suite de l'émission. Aïe et fin! Zerbe, salut.